Alors, est-ce que mon réglage est bon? Pas tout à fait 8. Salut, bienvenue aujourd'hui pour parler du pied à coulisses, cette bête un peu bizarre qui a son utilité dans un atelier de menuiserie, qui a normalement toute son utilité chez un serrurier ou quelqu'un qui travaille le métal. Mais voilà, pour le menuisier aussi, c'est bien utile et on peut faire un million de choses avec. Le pied à coulisse, c'est l'outil qu'il vous faut pour mesurer avec une très grande précision des côtes sur des objets. Vérifiez que ça va bien s'aligner, vérifiez que ça va bien se caler. Et il y a quelques petits secrets à connaître pour bien exploiter le pied à coulisse. En particulier le vernier, qui est la seule pièce mobile sur cet outil. Il n'y a que deux pièces et il y en a une qui est mobile et l'autre qui est fixe. Un pied à coulisse, c'est généralement pas beaucoup plus grand que ça. Un grand pied à coulisse, ça vaut des tarifs absolument astronomiques. Plusieurs milliers d'euros pour un mututuyo, ça vaut 1200, 1500 balles. Je vous mets des liens en dessous pour découvrir le délire que ça peut être. Mais ça ne vous concerne pas en tant que menuisier, vous n'aurez pas besoin de ça. Ici, on peut connaître assez simplement une largeur. Et la lecture de ce pied à coulisse est très très simple. Alors là, on voit que ma planchette, elle fait un peu plus de 130 mm de large. Mais pas tout à fait 131 mm. Il faut chercher sur le vernier laquelle des gradations tombe en face d'une autre gradation et il semblerait que ce soit le 85 qui est juste là, le 8,5. Donc notre planchette, elle mesure 130 mm plus 85 centièmes égale 130,85 mm. Alors, pour la lecture sur des épaisseurs comme ça, là, on a 16 mm plus, allez, un dixième, 16,1 mm. Alors, grâce au petit bec, là, on arrive à lire que j'ai pas tout à fait 8 mm. Il manque un petit peu pour arriver au 8. On a 7,9 peut-être. Donc ici, il faut que j'agrandisse un tout petit peu ma rainure. De façon à pouvoir accueillir le côté du tiroir. Alors ça permet aussi de mesurer des profondeurs avec un peu plus de côté aléatoire. Là, on a un petit peu plus de 8. Donc là, c'est bon. Avec un petit peu de colle, ça ira bien. Mais il faut que j'agrandisse ma feuillure. Il me faut un truc de 8 par 8 par 8. Donc pour le réglage de ma lame de scie, je vais prendre les choses à l'envers. Je vais régler 16 mm. Voilà. Et là, avec la queue, je vais pouvoir régler le petit bout qui manque. Voilà. Ma profondeur, elle est là et je vais aller reporter ça sur la scie. Bon, Edin. Voilà, on en revient à nos pieds à coulisses. Ça, c'est le modèle que j'utilise déjà depuis pas mal de temps. Il vient de chez Wurth.
Je pense que c'est rebadgé, c'est quelqu'un d'autre qui le fabrique, je ne sais pas exactement. Ça ressemble un peu à du Mitutoyo, sans forcément en être. En tout cas, celui-ci est précis. Moi, j'aime bien la lecture directe sur un vrai vernier. Il y a une autre solution. On m'a prêté celui-ci, et c'est la version électronique. C'est-à-dire que, alors, on allume, on met à zéro, et ensuite, on peut prendre une cote. Par exemple, où est-ce qu'elle est? Ma fraise de 12 mm, normalement, on doit tomber sur 12. Voilà, 12,02. Si on lit là, on lit 12. Moi, je lis 12. À la rigueur, peut-être le 0,3, il est là. Elle fait peut-être bien plus de 12 mm. Ou alors, la fraise, elle fait bel et bien 12, et les deux sont faux. Ça fait partie des choses possibles. Ici, j'ai le premier pied à coulisse que j'avais acheté. J'avais cru bien faire, c'est marqué FACOM dessus, c'est un FACOM. Mais simplement, là, on n'a pas des mesures vraiment tip-top. Ici, la précision va être beaucoup moindre parce que le vernis est beaucoup plus court. Et puis en plus, c'est tout fabriqué avec de la tôle pliée. Les deux mâchoires, elles ont beau retomber l'une en face de l'autre quand c'est fermé. Et ben, c'est quand même pas terrible, terrible. Après, les pieds à coulisse, ça existe dans des grandes dimensions. Celui-ci fait 500 mm de long. J'ai été emprunter ça à un copain qui est serrurier, juste pour vous montrer. Là, on a quelque chose qui est. Celui-ci est très ancien, il est marqué Roche à Paris. Je doute que la marque existe toujours, mais voilà, ça fait des années qu'il sert tous les jours dans un atelier de serrurerie. On voit sur l'échelle du vernier, entre les différents chiffres, on a quatre petites gradations, quatre sous-divisions, ce qui donne une précision à 0,02 mm. Tandis que celui-ci est à 0,05. Alors, un pied à coulisse comme celui-ci ou un Mututoyo qui fait la même longueur, voire un peu plus long, et qui vaut le prix d'une bagnole d'occasion, en gros, ça ne sert pas à grand-chose en menuiserie. C'est juste pour vous montrer le principe de la lecture du vernier. Alors, moi, j'aime pas beaucoup ce type de pied à coulisse. D'abord parce qu'il faut mettre une batterie et qui ne dure pas forcément très longtemps. Mais par contre, elle présente un avantage, c'est qu'on peut refaire un zéro n'importe où et reprendre à partir de là une cote. Et de faire la différence. Avec une équerre à combinaison, celle-ci c'est ma petite équerre préférée, c'est une petite starrette, elle est vraiment vraiment super sympa, ça permet aussi de prendre des cotes, de comparer des éléments. Là on a 16 mm, évidemment on ne peut pas lire les dixièmes avec ça. On peut aussi prendre des profondeurs, voilà, il suffit de serrer et de lire. Ben là, on a 26, quelque chose. Le petit quelque chose, c'est généralement ce qu'on laisse échapper, en tout cas ce que moi je laisse échapper quand je fais de la menuiserie. Ces petits quelque chose, ils servent à ce que la colle elle puisse sortir. C'est pas du tout pareil quand on fait de l'usinage en métal ou de la fabrication de prototypes. Mais là, pour une utilisation en menuiserie, ça convient tout à fait. Ça ne laisse pas toutes les possibilités. Mesurer un diamètre avec ça, mesurer un diamètre intérieur par exemple, ce n'est pas possible. Alors que là, avec les petits crochets extérieurs, ben voilà, normalement on devrait avoir 20 mm là. On peut lire qu'effectivement, on a bien 20 mm à l'intérieur du cercle. Le cercle n'a pas trop bougé dans le temps et même si ce pied à coulisse n'est pas la référence absolue, il n'est pas à Sèvres, hein, il n'est pas au, mais c'est pas un mètre étalon. Mais voilà, il convient tout à fait pour des applications en menuiserie. Alors un bon pied à coulisse, c'est fait en acier hyper durci et ça permet par exemple, là on a 80, presque 4 mm, je vais le diviser en deux, je vais mettre 41, 42 pardon, et on va pouvoir graver. Je fais la même dans l'autre sens. Donc, faut pas trop trop insister, mais voilà, ça permet de trouver un point. Voilà, donc ça peut servir aussi d'outil de traçage. Là, il suffit ensuite de mettre un petit coup de poinçon pour avoir l'endroit où je voudrais percer ou usiner le métal. Ça peut se faire aussi sur du bois, mais on rentre un petit peu plus dans les fibres. Sur le métal, en tout cas, ça marche très très bien. Voilà, donc j'espère que cette petite chose, ce petit outil aura un petit peu moins de secrets pour vous. En tout cas, moi, je trouve que c'est un outil génial qui permet de faire plein, 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 plein de choses.
On va se retrouver très très bientôt avec la suite des tiroirs, ceux qui vont s'intégrer dans mon meuble avec l'écran qui sort automatiquement. Ça viendra dans quelques temps. Vous voyez, je n'ai fait qu'un tiroir, hein, et donc je suis loin du compte. Je vais ramener cette merveille à son propriétaire, que je remercie d'ailleurs de me l'avoir prêté, parce qu'un outil comme ça, c'est un peu comme un stylo plume, ça ne se prête pas, faut y faire très attention. Allez, à ciao, bonsoir! Ah, et merde.